Et du coup, on se retrouve aujourd'hui pour la découverte de Snuff Kid, la mélodie de la vallée des Moomins. Un jeu qui est sorti quand même il y a très récemment, il y a seulement quelques jours, le 7 mars 2024. Développé par Hyper Games, édité par Ro Fury, dans lequel on incarne Mumrick dans un récit d'aventure. Tout en musique, bien sûr, et tout en beauté, tout en tout doux, tout en aquarelle, bien sûr. On va devoir rétablir l'équilibre et l'harmonie dans la vallée des Moomins, où vivent tant de personnages merveilleux et originaux. Et on doit les protéger des projets du gardien du parc méchant et maléfique. Tu vas me manquer terriblement, Mémeric. Tu es sûr de devoir partir ? C'est l'automne, il est temps que je parte. En plus, vous, les Moomins, dormirez tout l'hiver. Je sais, mais tu me promets que tu reviendras ? Oh, je reviendrai ! Je t'attrape. Je reviendrai au printemps, comme toujours. Alors, je t'attendrai ici, sur le pont, comme toujours. Au revoir, Moomine le troll. Je te reverrai au printemps. T'es un peu triste. On voit que c'est l'automne et tout. God. Il est tout tristonné, le Moomine. Pleure pas, Bébou. On va tous pleurer sinon, Bébou. Oh. Est-ce que c'est la vallée des Moomines, ça? J'ai choisi le paramètre passer les dialogues non essentiels, donc on est directement au cœur de l'histoire. Tous les trucs qui servent à rien sur les côtés, on s'en fout. Ok. L'automne est passé. Nous sommes en hiver. Il fait froid. Il neige. C'est la neige de sport. Pourquoi je fais cette voix? Ça a pas. Complètement barjon, le gars. On dirait presque un tableau de Van Gogh. Ah, y a plus de neige, plus de neige. Jean-Michel Neige, ça suffit. Jean-Michel Neige. Jean-Michel, stop la neige, stop la neige. Ah non, y a la neige, c'est bon, y a encore la neige. Mais elle commence à fondre, Jean-Michel Neige. Allô, Jean-Michel Neige. Il a pris trop de neige dans le fond du pif, là. Coupe la neige, Jean-Michel. Coupe. Merci, Jean-Michel. Ok, l'hiver est passé. Le printemps revient. On va retrouver le Moomine. Il est sur le pont. S'il est pas sur le pont, il y a un problème. Je m'approche de la vallée des Moomins. Oh, je joue. J'ai hâte de revoir Moomine le troll. Devrait être sorti de son hibernation. Oh, trouver un ami. Là. Retrouver un ami. Oh, c'est bien, j'ai au moins un ami dans le jeu, c'est cool. Ça joue, regardez, c'est moi qui joue. On peut sauter. C'est quoi cette grosse carrière? Qui m'a parlé là? Aïe. Ok. Des petites créatures. Face à un petit pont à base de caillasse. Ou alors je peux faire un barrage, hop, je coupe toute l'eau. Hop là. Je vais faire tel les castors, je vais faire un barrage. Oh, pas mal. Je pense que je peux en mettre encore. On va tuer toute la biodiversité comme ça. Voilà. Oh bien là. Mais il manque un caillou au milieu. Attends, les cailloux disparaissent au fur et à mesure? On est d'accord, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il y a 10 cailloux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il en manque un. Ils disparaissent au fur et à mesure, on a 10 cailloux max, ok. Oh la grosse boule! C'est la grosse boule née d'Anna Jones, ça je connais. Je suis caché, j'étais là. Ce vieillard a l'air aimable, il pourrait peut-être nous aider. Essaie de lui jouer de ton harmonica. Merci la vieille tête dans l'eau. Ah mais faut être niveau 2. Comment on remonte le niveau d'Armuka?
trouver plus d'inspiration. Oh merde. Faut que je fasse comme tous les musiciens. Que je tombe dans les vices, l'alcool et la drogue. Eh merde. Allez, allez, je la chasse à la cocaïne. On est parti. Attends, il y a un max de C dans les buissons là. Donne-moi un max de C. Vous aussi tombez sous mon charme grâce à mon harmonica. Il y a un truc dans l'arbre. Bonjour, l'oiseau jaune. Bon, merci pour un max de C. Non, un max d'inspiration. Excusez-moi. C'est quoi ça? Interdit aux chaussures? Bah, si j'arrache le panneau, c'est plus interdit aux chaussures, non? Le jeu est assez relaxant. Il est tout doux, il est relaxant, il est joli, il est très accessible pour un gars qui n'aime pas les jeux tryhard comme moi. J'arrache toutes les interdictions. Il est interdit d'interdire. Retour en mai 68. Sous les pavés, la plage. C'était l'intro. Bienvenue dans Snufkin, la mélodie de la vallée des Moomins. Arrêtez d'interdire, vous cassez les couilles. Moi, je vous interdis d'interdire. N'oubliez pas que vous faites un travail très important ici. Chef, oui, chef! Vous pouvez me redire ce que c'est mon travail déjà? Vous devez toujours faire respecter ces règles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous bâtissons ici la vallée du futur. C'est les méchants! C'est les méchants! Je suis caché! Halte là! J'ai besoin que tu gardes ce parc pendant que je vais... faire quelque chose. Tirez les trois panneaux pour vous débarrasser des agents de police et restaurer la nature. Je restaure la nature. Je restaure la nature. Et pourtant, j'étais sûr qu'il y avait des panneaux ici. J'ai dû rêver ou j'ai pris un peu trop de crack. Oh, bah, je ferais mieux de trouver des règles à faire respecter ailleurs. Ouais, c'est ça, bah, barre-toi. Si j'enlève ces panneaux, les agents de police s'en iront. Alors rendons ce parc à la nature. Vas-y, arrache les grilles, là. Oh, la musculature imposante, là, ça gueule plus. Regarde ça, les cailloux, ça a rien à foutre, ça les balance. La nature reprend ses droits tellement vite, c'est beau. Et là, il y avait le labyrinthe, il n'y a plus. Ouais, ok. On est là pour se battre contre les salopards capitalistes, là. Salopards capitalistes et urbanistes. Nous, on est là pour rendre la nature à la nature. Car il y a des interdictions. C'est non. Interdiction de brûler des trucs. C'est non. Interdiction de sentir. C'est non. Interdiction de sniffer l'inspiration. C'est non. Interdiction de fumer des pipes. C'est non. Attends, ça veut dire qu'on a le droit de brûler des trucs, fumer des pipes. Ok. Ok, ok, ok. Bonjour. Ouh. 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 Ouh, 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 ouh. Bah, ouh, ouh, là, hein. Là. Titi! Titi! C'est plus ouh, ouh, c'est Titi! Ok, Titi, ouh, ouh. Là, comment je tourne autour? Je suis un fou. Là, j'arrache le panneau. Hop là, même pas, il m'a vu. Attends, je vais l'envoyer dans la gueule, regarde. Il est KO. Comprends plus ce qui se passe. Continue de tourner, continue, n'arrête plus. Non, holy shit! Holy shit, bro! Ok, je suis en taule. J'ai tabassé la statue! Non, le non-respect. C'est bon, c'était le dernier panneau. Il n'y a plus d'interdiction. C'est la même cinématique que tout à l'heure, ça change pas. Et voilà, le parc, il n'y en a plus. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi c'est tout pas beau? Bonjour mon cher Memric, je viens de me sortir de mon hibernation. On dirait que Moomin s'est réveillé avant nous, il t'attend sûrement au pont. Comment allez-vous, maman Moomin? Eh ben, j'étais très heureuse à l'idée de m'occuper de mes fleurs, mais elles sont toutes fanées. T'inquiète pas pour ça, va donc voir ton ami. T'as l'air un peu triste quand même, bichette. Carte! Oh putain. Ah oui. Ah ouais, d'accord, après il y a le pont, après il y a encore tout un truc, après il y a encore tout un truc à droite, il y a encore plein de trucs à faire, ok. Comment allez-vous, papa Moomin? Je me réveille à peine de mon nom que mon esprit est déjà occupé par un million de choses. Mon chef-d'œuvre envolé et mon bateau parti. Vous avez terminé votre pièce? Félicitations. Avez-vous vu Moomin? Non, Moomin n'est pas là. Attention au pont. Quand tu le verras, tu lui diras qu'il doit bien laisser les fenêtres fermées. Mon chef-d'œuvre s'est envolé aux quatre coins de la vallée. Peut-être qu'il sait aussi où se trouve mon bateau. Je vais garder un œil ouvert au cas où je tombe sur votre pièce et sur le bateau. C'est le pont, ça? Il y a eu des problèmes quand même, non? L'hiver a été rude. Est-ce que c'est moi tout à l'heure quand j'ai mis tous les cailloux, j'ai bouché l'eau et ça a tout asséché?
Holy shit. Bonjour, petite Mu. As-tu dit qu'il était arrivé quelque chose à Moomin le troll? Oh oui, un sort des plus horribles. Moomin hibernait tranquillement, l'esprit en paix. Des gros dodo? Franchement, je trouve ça très égoïste. Quand soudain, elle est apparue. La Kurabu. Oula. Elle a regardé Moomin le troll avec des intentions monstrueuses et une envie hideuse. L'a emporté et elle est partie en courant dans la forêt pendant que le pauvre Moomin le troll se débattait en criant. Vous plaît pas, Harmonica? Non, il déteste, ok. Oh la lumière! Attention, il y a un truc bizarre derrière. Cours! Va nous bouffer! Touche-moi pas, je suis trop jeune! Dans la bouche, je peux pas courir. Je dois gagner du temps et prendre de l'avance. Dans les endroits, il n'y a pas de bouffe. Il peut plus me suivre, il peut plus me suivre là. J'ai cassé le pont. Je peux pas pousser. Ah si, c'était bon. Au secours, il veut me bouffer le cul. Ah, il y a un Moomin qui s'est écrasé ici. Let's go. Peut-être notre ami le troll là. Le trollolo. Si je fais ça, je le bloque. Ah, gros nulos. Alors, Eh, ah non, il passe à côté. Oh non, une impasse. Allez, on est dead. Non, on n'est pas dead. Merci, Deus Ex Machina. Moomin le troll est venu ici. Il était avec la Kurabu. Tardi au Kurabu. Lorsqu'il a vu la forêt dévastée. Il a essayé d'avertir les agents de police, mais ils lui ont demandé d'aider pire. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Le doux parfum du progrès. Ouais, bah, cancer des poumons, ça va être sympa, tu vas voir. Vous pouvez pas faire de feu ici, c'est trop sec. Vous avez tout cramé, bande d'idiots. Vous inquiétez pas, nous contrôlons la situation. Mytho. Ah ouais, en effet, ouais. Bah bravo, bien joué. Oh oh. Et il s'enfuit sans éteindre le feu, mais bâtard. Ah. Ah. Eh ben, je suis mort. Oh non, le Kurabu! Il est gentil? Oh, faut que je l'utilise pour éteindre le feu. Comme quoi, il est moche, il a l'air méchant, mais en fait, il est gentil. Je vais jamais se fier aux apparences. Vous allez... die. Coucou. Coucou, c'est moi, la Kurabu. Coucou, Rabu. Kurabu. Allez hop, décapitelé. Tu as sauvé notre forêt. Tiens, prends cette flûte en remerciement. Elle est faite de bois de notre arbre préféré. C'est tout ce qu'il en reste. J'ai gagné une flûte. Comment on joue de la flûte? Comme ça. C'est directionnel. L'homme orchestre. Ok. Du coup, je peux débloquer une nouvelle zone avec la flûte. Salut à tous. Hop là. Et ils sont tous morts. Ah non, ils dorment, c'est bon. C'est méchant. C'est méchant, les moustiques. Je te tue avec ma flûte. Hey, vous n'avez pas le droit d'être ici. Ça, ce genre de phrase, ça me fait toujours penser au moment dans Batman Arkham Asylum, quand on est dans la morgue. On se fait intoxiquer par la toxine de l'épouvantail. T'as la phrase en boucle, là. Tu ne devrais pas être ici. Tu ne devrais pas être ici. Tu ne devrais pas être ici. J'adore ce passage-là dans ce jeu. Le bateau de Papa Moomin a disparu. C'est pas parce que je suis invisible que tu as le droit de voler mes vêtements. Oula. Oula. Ah, voler des vêtements à un enfant, non, c'est pas... Non, non, c'est pas moi. C'est pas moi. Non, 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 non. Je suis youtubeur, mais quand même pas autant, non. Non, non. Montre-toi, l'enfant invisible. Ça... Non, alors te montre pas, parce que tu vas être à poil, du coup, non. Donc, non.
Ouh. Oh non, un fantôme. Bonjour. Alors, toi non plus, tu n'as pas peur de moi? Je suis désolé, mais non. Ah ouais, les gardiens, c'est des victimes innocentes, ouais. Ils sont pas innocents, ils sont coupables. Viens, le gardien débile. Vas-y. Chie-toi dessus. Voilà, casse-toi, le gardien. Ouh. Allez, mange tes morts. Donc là, avant, bah, c'était le parc, mais la nature a déjà repris ses droits. Et du coup, voilà. Non à l'hyper-industrialisation et l'hyper-urbanisation. Vive la nature. La nature, c'est bon, mangez-en. Ah ouais, de la C. Max de C partout, là, j'aime ça. C'est quoi, ça? Horty. Et pas la streameuse. Oh non, il y a l'orage et la tempête. Et bien sûr, il y a l'autre dans mon sac. Allez, super. Mets-lui un petit... Hop. Un petit runhouse kick dans la bouche, ça tombe dans l'eau, ça dégage. La rumeur dit qu'il y a un bateau pirate dans les environs. Oh, le bateau pirate, il est là. Un petit peu échoué quand même. Ouais, d'accord. Dans la puissance de la flûte endormisseuse. Ok, on va tout péter, on va tout péter. Garde ça. Hop. Dégage la statue, mange tes morts. Je casse tout, je suis une brute moi. Je suis un fou furieux. Hop là, regarde ça. Hop là. Allez, ça dégage. Talophile obligatoire. Si je peux dans ce sens-là, la statue dans ce sens-là. Ouais. Ouais. Oh, la clé. Voilà, on pète tout là. Voilà, chien. Pour l'écologie. Les actifs n'attendent retrouvé leur baromètre enfin. Prenez ce tambour en guise de ma gratitude. Il vous aidera peut-être avec la faune locale. Ah ouais, je vais tambouriner partout, tout le monde. Ouais. Bonjour, je suis tambourineur. Attends. Oh, comment je casse les cailloux? Tout le monde debout, là-bas! Tout le monde debout, bande de nulos! Vous avez assez dormi? Allez hop! C'est un truc que je serais capable de faire IRL, ça. Prendre un tambour et les taper dans la rue comme ça, là. 4h du mat pour faire chier tout le monde. J'en suis capable. Oh non! Ils ont kidnappé mon pote, le troll! Fasciste! Par l'autorité que je me suis conféré à moi-même, je vous emmène pour être incarcéré dans la vallée des Moomins! Le casse-cou qui tape en boucle, là. Au secours! Timber! Oh, dommage, j'avais pas la gamine dessous. Je suis un peu déçu, mais oh, c'est pas grave. Bonjour, comment allez-vous? Oh, je vais faller bossement bien, hein, comme toujours. Et comment pourrait-il en être autrement lorsque je sais au plus profond de mon être que je suis la plus belle créature qui existe? J'admire votre confiance en vous. Ouais. J'affirme et j'atteste que rien au monde n'égale ma beauté. Rien, vraiment? Allez-y, je vous mets au défi de trouver quelque chose qui ait autant d'allure que moi. D'accord, je vais essayer. Hop, miroir. Cher, tu... Hop là. Oh, c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Oui, c'est un très joli miroir, ouais. Mais non, je parle évidemment de mon reflet. Si cela ne vous ennuie pas, j'aimerais que vous me laissiez un moment de solitude pour l'admirer. Là, ça gling gling, là. Là, ça gling. Oh oui, je peux tabasser les fougères avec ça. Oh oui, évitez d'être ralenti. Oh oui, barrez-vous, les fougères. Oh, je vous chie dessus, tiens. Voilà, allez hop. Voilà, tape dans ton arbre, là. Ouais. On va se casser le crâne au bout d'un moment, là, quand même, à force de taper. C'est quoi, ce... Stinky, qu'est-ce que tu as dans les mains? Ah, c'est juste des nouveaux vêtements qui m'appartiennent. Mais ils ne sont pas à toi. Ah, je m'en fiche complètement. Attrape-moi si tu peux. Ok. C'est un défi? Voilà, t'es dead. Pouvoir rendre ses vêtements au gamin invisible. Salut! Quel gamin invisible, là. Hop là. Et voilà, Nini n'est plus nunu. Au revoir. Bonjour! On ne bouge plus! Bien, avez-vous un permis pour avoir l'air aussi suspect? Un contrôle aux faciès, quoi, d'accord. Non, elle est bonne! Bon, où en étais-je? Bien, on ne passe pas, repartez! Et si je te fais ça? Il s'en fout, ok. Bonjour! Libérez tout le monde, on a rien à foutre! Omine le troll est détenu car il est accusé de vandalisme et d'entrave au progrès! Y'a rien que je puisse faire maintenant, ce n'est pas moi qui fais les règles! Enfin, si, c'est moi! Mais le règlement, c'est le règlement! Et le règlement,
C'est moi! La République, c'est moi! Non au progrès! Non, non au progrès! Non au progrès, gardien du parc, j'ai dit! Non au progrès! Libérez notre camarade! Transforme tout en vraie nature! Bref, je vais libérer mon camarade! Mon plan est de mettre en scène une excellente pièce pour faire sortir le gardien du parc de sa maison. On va faire bosser le groupe là. Allez, ça joue! Easy! Merde, c'est parfait. Bonjour! Je vous invite à une pièce de théâtre! Comme ça, ça passe. Bon, passons dans le parc, oh putain, passons dans le parc. Oh putain, oh putain, oh putain! Oh, arrache tout! Il est interdit d'interdire. J'ai le droit de manger une pomme, j'ai le droit de fumer une pipe. J'ai le droit de manger une pipe et fumer une pomme aussi si je veux. Ce qui est bizarre, mais bref. Hop là, je casse tout, je suis un fou. Coucou! Ouais, il a fait le tour pour venir me voir alors que j'étais déjà plus là. Et hop, la fin du parc, il dégage celui-là. Militant Ecology Simulator, ça dégage, la nature reprend ses droits. Vive la planète, vive le vert, vive le green! C'est un jeu écolo en fait. Bah ouais, ouais, ouais. Ouais, complètement, ouais, complètement. On sauve les animaux et fait en sorte que la nature... La nature reprenne le dessus sur toutes les merdes construites par les connards, là. On lutte contre le capitalisme, ouais. Avec un tambour, hein. Tu vois, c'est vraiment les manifs, quoi. Qu'est-ce que c'est? Non, pas les enfants, au secours! Non, ah non, tournez pas ça! Non, je me casse! Oh non, pas ça! Barrez-vous, compte gamin! Non, j'en veux pas! Non, allez! Rentrez dans votre trou, barrez-vous! Cassez-vous! Laissez-moi tranquille, laissez-moi bien! Arrêtez de me faire chier! Niquez-vous! Je veux pas vous voir, sale gamin! Vous êtes moche, vous puez la merde! Vous êtes sale! Vous êtes insupportablement chiant! J'essaie de vous tuer avec le pouvoir de mon tambour, mais j'y arrive pas! Barrez-vous! Laissez-moi tranquille! Hop là, c'est bon, ils tombent dans le sable, ils sont morts! Chien! Tiens, voilà! Tiens, tempête de sable dans ta gueule! C'est bon, on se casse! Vite, fuyons les enfants! Au secours! Oh non, pas ça! Pas les enfants! Oh mon pire cauchemar, quoi! À l'aide. Oh non, il y en a encore d'autres ici, c'est quoi cet enfer? Maintenant ils sont 4, au secours. Aide-moi l'oiseau! Tue-les! Ok. Détournez l'attention, parfait. Oh non, putain! Il y en a de plus en plus! Nous sortez d'où? Allez, crevez! Crevez, bande d'ordures! Non, ils sont pas là. Je me débarrasse d'eux avec quoi là? Y'a pas un récongèle? Hop là! Au revoir les gamins! Donc j'ai pas le choix, je suis obligé de tuer des enfants. Ah oui, je peux leur rouler dessus avec le caillou là! Pour les écrabouiller! Ok, a priori non. Dommage. Tempête de sable dans ta gueule! Et après, je peux les enfermer, regarde comme ça. Hop! Coincé à tout jamais. Haha! Chien, les gamins! Non! Oh l'erreur. Touche plus à ce caillou. Chier. Je refais. Chier les gamins. Allez, ça dégage. Oh non, il faut les esclaves pour traverser ce truc là. Oh non. Oh les gamins, vous avez de la chance, le jeu a dit libère les trucs là. Le fait que je les enferme pour pouvoir monter, pour après faire le tout, pouvoir mettre le pont, pour pouvoir après les faire traverser avec eux. Ah oui, des rochers dans vos gueules. Le pam, ça les écrase pour les tuer. Même pas, putain. Allez-vous-en, le monde extérieur est devenu fou. Nous ne voulons rien de tout cela, laissez-nous à notre vie paisible, profitez du paradis qu'est notre petit jardin. Vous approchez pas, je ne veux pas que vous perturbiez mes enfants parfaits. Voilà, jouez dans la flaque, c'est bien. Tu casses tout parce que moi je suis un fou furieux moi. Tiens, attends, les vêtements, on peut leur faire du mal aux vêtements? Ah oui, je peux les salir. Allez, tiens, voilà, tiens, ça t'apprendra. Juste que je marche dedans, voilà. Voilà. Oui, là, voilà, t'avais qu'à coopérer avant. Qu'on a réussi à pervertir ces enfants parfaits. Parfait. Allez, file les costumes pour le théâtre, s'il te plaît. File les costumes pour le théâtre. Donnez-moi les costumes pour le théâtre. J'en ai rien à foutre, donne-moi les costumes. Tiens. Encore vous, je vous ferai arrêter pour intrusion illégale.
Je suis venu vous proposer une trêve, un traité de paix si vous voulez. Je veux la pièce intitulée La Mélodie de la Vallée des Moomins. En signe de remerciement, tout le travail et tout. Oui, je te remercie sincèrement, en fait pas du tout. Je veux juste que tu descendes de là-haut pour voler la clé pour libérer mon ami. Et après te traduire en justice et puis te condamner à mort. Let's go. Oh, il a mis la tuile d'apparat, le mec. Je suis tellement impatient de voir ça, des billets exclusifs pour la première. Et hop, je vous mets la pièce, amusez-vous bien. Moi, je pars en mission secrète. Eh bien, joue la pièce, joue la pièce. C'est bien. Bravo. Et vite. Cambriolon. FBI. Oula, il y a des problèmes dedans. Oh, c'est bon. Easy. Je te libère, frérot. Ils sont partis voir la pièce, t'inquiète, c'est un guet-apens, on a tout prévu, c'est un plan généralisé, tout le village contre la dictature. Parce que l'union fait la force. Mais le troll est libre. Oui, voilà, le pouvoir de l'amitié, tout ça, c'est beau quand même. Devons aller à l'horrible barrage du Cardin du Parc. Ah ouais, on va tout péter là, ouais, on va arriver, dynamite, hop, le barrage, on inonde tout et niquez-vous tous. Par ici. Mais vas-y, fais-moi la courte échelle. Et hop là, allez, on y va, détruisons ce barrage de ces grands morts. Oh non, c'est pété la jambe. Il s'abandonne pas. Oh, let's go, joue Moomin. Oula, ok, comment... au secours. Jeanne, au secours. C'était facile en fait. Oh, let's go, on y est. Détruisons ce barrage de ces morts là. Le voilà, le barrage du gardien du parc qui vole tout l'eau de la vallée, bâtard. Plus pour longtemps, allez, on y va. Tire, tire et pousse. Tire et pousse. Pousse et tire. Vous avez vu, j'ai inversé. Rendons l'eau à la vallée et sauvons tout le monde parce que nous sommes des héros. Ça a l'air d'être une pièce horriblement nulle à chier, a priori. Ah non. C'est magnifiquement émouvant, ok. Je comprends maintenant. Il va devenir gentil. Il va arrêter d'être méchant. De toute façon, il y a un tsunami qui arrive, donc je crois que t'as pas trop le choix d'être gentil. On a détruit sa baraque. Chier. Non à la dictature. Le peuple a gagné. La nature reprend ses droits. Vous n'aviez pas le droit de construire tout ça, déjà. Ça suffit, je vous mets tous les deux en état d'arrestation. À perpétuité. Arrêtez, tout cela est de ma faute. Je voulais seulement améliorer la vallée des Moomins. Mais elle était déjà parfaite telle qu'elle était. Je le comprends maintenant. Maintenant, allez-vous-en de la vallée des Moomins. J'ai eu peur. Le jeu part en couille à la fin, t'sais. Allez vous faire foutre. Non. Attends, Memric, il essayait seulement de faire quelque chose de bien à sa manière. Dans la vallée des Moomins, tout le monde a sa place. Et si... au lieu d'être le gardien des parcs, il devenait le gardien du théâtre. Ça me plairait beaucoup. Enfin, si vous êtes d'accord, bien sûr. D'accord, mais on te met sous bracelet électronique. En revanche, finis les panneaux et finis les règles. Non à la dictature. Très bien, ça me va. Let's go, on a gagné. L'écologie a gagné aujourd'hui. Grâce au pouvoir de l'amitié et l'entraide générale, nous avons vaincu le horrible dictateur. Sanguinaire et tout. C'est parfait. Alors, tu ne vas pas déjà repartir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Moi, mais je viens d'arriver. J'ai juste tout un été d'aventure qui m'attend avec mon meilleur ami. Je resterai ton meilleur ami. Je serai là avec Hyper Games pour jouer aux jeux vidéo Snufkin dans la vallée. Avec les Moomins, c'est l'écologie qui a gagné. Ta gueule!